Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche Entière. Aujourd'hui, je vous parle de ma nouvelle aventure avec Gel Moment. Qu'est-ce que c'est Gel Moment? Par un premier temps, ce sont des vernis gel pour les ongles. Vous pouvez faire vos ongles d'orteil. Aussi, il y a d'autres choses que des vernis. Quand on regarde vite comme ça, là, on est comme un Gel Moment. Ok, bon, c'est des affaires juste avec des Kitex. Détrompez-vous, il y a plein de trucs. Là, aujourd'hui, je vous parle du méga spécial qu'il y a de disponible jusqu'au 31 janvier 2020. C'est une trousse de départ. Cette trousse-là ici, ce que moi j'ai dans les mains, puis tout ce qui contient dedans, là, je vais l'ouvrir avec vous. Écoutez, je l'ai sorti de la boîte. J'ai enlevé, il y avait un petit papier ici sur le Gel Moment. J'ai enlevé ça, j'ai dézippé. Dedans, il y avait deux trucs d'air comme pour pas que le stock bouge. C'est tout ce que j'ai fait. Fait que je la déballe en même temps que vous. Je viens juste la recevoir. Je suis comme méga excitée. J'ai vraiment toute hâte de vous présenter. J'ai parcouru beaucoup le site. J'ai regardé beaucoup. Je me suis informée beaucoup. Fait que c'est supposé d'être quand même familier. Qu'est-ce qui se trouve dans ça? Mais je veux vraiment vous montrer qu'est-ce que vous avez pour le prix de 55 $ plus les taxes. Ça fait 68 et des poussières, là. Vous avez cette belle trousse-là ici. Tout ça, là, ce package deal-là, ça vaut 294 $. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Des conseillères là, qui sont dans Gel Moment depuis un moment disent que c'est du jamais vu. Ils n'ont jamais vu autant de stock pour si peu. Et puis, ça, là, avant de commencer, là, je vous le dis tout de suite, c'est sans aucun engagement. Il n'y a pas aucun frais caché. Là. Vous n'arriverez pas, puis ah, bang, surprise par après. Zéro, là. Vous pouvez juste vous acheter ça, that's it. Si vous voulez avoir la trousse, là, vous avez le site. Je vais vous mettre le site en description dans la vidéo. Si vous cliquez direct dessus, ça va être le lien exactement à suivre pour aller s'inscrire pour avoir la trousse. Plus loin dans la description de la vidéo, vous avez le site de ma boutique de Gel Moment. Si vous connaissez déjà les produits puis que vous voulez aller vous acheter des vernis ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi. Mais là, c'est ça. Moi, je veux vraiment vous présenter là, la trousse que vous pouvez avoir pour 55 $ plus les taxes. Écoutez, ça vaut juste trop la peine. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai comme fait « Oh my God! » OK. Ça fait un bon bout que je magasine les machines, les vernis, toutes sortes de choses. Puis je suis comme... J'hésite tout le temps à acheter, je suis pas certaine, puis je suis là, puis ah, oh, je le fais-tu, je le fais-tu pas, puis tu sais, je suis comme pas sûre, puis juste une machine, là, c'est 60 quelques dollars et plus, là. Puis là, pour 55, j'ai une machine, j'ai 6 mini vernis, donc j'ai 6 couleurs différentes, il y a full de stock, là. Puis en plus, là, j'ai une belle petite valise, là, qui vient avec, là, un beau petit sac, puis j'ai même une petite ganse, si je veux, pour accrocher ici, là, chaque côté, là, faire style une petite sacoche, là, tu mets ça sur l'épaule, là, donc portatif, là, ça va... super bien. Fait que là, en premier, ce que je veux vous montrer, ce que vous avez dedans, vous avez un catalogue. Le catalogue, là, ce qui est le fun avec Gel Moment, moi, je suis représentante avant aussi, puis j'ai des catalogues que je dois m'acheter à tous les 2 semaines, mais c'est des frais à toutes les 2 semaines tout le temps. Ce catalogue-là est bon pour 1 an. Vous avez toutes les couleurs dedans et tout. À la fin, vous avez les prix de qu'est-ce que vous cherchez. Donc là, je le feuillette vite fait avec vous, juste pour vous donner un petit aperçu de, tu sais, un peu les nuances et tout. Donc là, en partant, là, dedans, là, regardez, là, vous avez plein de nuances. Donc là, je vais être sûre que vous voyez bien. Vous avez plein de pages de nuances de vernis, là. Il y en a des tonnes et des tonnes. Écoutez, là, j'ai regardé des couleurs, j'ai eu de la misère à faire des choix, là. C'est quelque chose. Puis là, j'en saute, là. Je ne vous les montre pas tous, là. Regardez les mauves. Oh my God! Et moi, là, ces deux pages-là, là, j'ai stické là-dessus, là. Celle-là, et puis celle-là aussi. Hey, hein? C'est vraiment, là, ils ont des très, très, très belles couleurs. Donc là, là, regardez aussi, là, des couleurs plus foncées. C'est débile, je vous jure. Les teintes, là, vous allez capoter comment il y en a. Puis là, c'est pas juste ça. Vous pouvez acheter à l'unité vos bouteilles de vernis ou vous avez aussi ici un genre de package deal. Ce package-là, dans le fond, vous avez 11 bouteilles de vernis pour le prix de 10. Fait que ça, là, quelqu'un qui se dit « Hey, là, garde, moi, je me gâte, je m'achète une machine, je m'achète un paquet de couleurs, je vais en avoir pour un bout pour faire les ongles. » Ça, là, ça revient très, très, très rentable parce que vous avez une bouteille gratuite. Ça vaut vraiment la peine. Vous tripez sur les manucures françaises, vous avez un petit kit exprès pour les manucures françaises. Les trois couleurs, là, qu'est-ce que ça vous prend exactement pour faire ça?
Ensuite, il y a des couches de finition aussi qui sont disponibles. Ça, malheureusement, il n'y en a pas dans le kit de départ, là, parce que bon, ça, c'est de plus. On s'entend que, bon, juste à la base d'avoir le vernis, c'est excellent. Mais si vous décidez de faire des couches de finition, mais regardez, il y a des couches là, avec des brillants que vous pouvez rajouter. Donc, il y en a trois différentes. Et puis, vous pouvez acheter aussi l'effet mat. Donc, c'est une bouteille, là, c'est une couche de plus, si on veut, là. Et moi, ce que je vous suggère, là, c'est de faire deux couches de vernis, là, faire cuire une couche, refaire une deuxième couche aussi. Puis, dans le fond, vous vous servez, là, de celle-là comme troisième couche, si on veut. Ensuite, vous avez ici, vous avez un échantillon, là, dans la trousse, une mini bouteille, là. C'est un fortifiant pour les ongles. Ensuite, vous avez aussi une mini bouteille là, c'est des huiles à cuticules. Vous en avez plusieurs différents. C'est ça, des sérums pour les cuticules. Ensuite, bon, là ici, ils disent là, comment appliquer et puis enlever le vernis. Ensuite, on vous montre le genre de lampe là, qui est disponible. Vous avez la grosse lampe ici là, qu'on voit là, régulièrement là, sur bien des sites et tout là, avec la minuterie. Vous avez les lampes plus standard. Ce que vous avez de fourni avec la trousse, c'est une petite lampe comme ça, mais vous pouvez faire trois doigts ou deux là, de la shot, là. Fait que c'est vraiment très bien aussi. Et c'est bon, là, vous avez des vernis, vous avez la machine en partant. Fait que, tu sais, si vous voulez, vous achetez ça, là, vous dites, OK, garde-moi, là, je vais économiser. Puis surtout, on s'entend, là, avec la pandémie et tout, là, avec tout qu'est-ce qui se passe, là, tout est fermé, là, tu sais, tous ceux comme moi, là, que vous êtes accro à vos ongles, mais là, voici la solution, tu vas pouvoir les faire chez toi, puis ça te coûte vraiment pas trop cher. Puis là, tu as la mini machine fournie dedans, tu as quelques couleurs. Là, un coup que tu as acheté ta petite trousse, là, si tu veux juste aller t'acheter deux, trois vernis, là, tu peux. Tu n'es pas obligé d'acheter 50 millions d'affaires, là. Tu vas voir, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, là, d'inclus dedans. Là, moi, je survole un peu, là, les produits en premier. Puis après, je vais te montrer tout ce que tu as. Fait que tu vas voir que c'est assez complet. Donc là, ici, on a des petites clips qu'on se met au bout des doigts. Dans le fond, vous avez des pads pour enlever votre vernis. Ce sont des pads ici qui contiennent de l'acétone. Donc, contrairement là, à énormément d'endroits où est-ce qu'on se fait faire les ongles, vous ne trempez pas vos doigts là, dans de l'acétone pendant X temps, l'exemple 10 minutes que ça prend. Vous avez tout simplement à prendre les petits pads, vous mettez votre pad vis-à-vis votre ongle. Fait qu'il n'y a que le devant de votre doigt, façon de parler, qui va avoir du produit. Là. Vous n'aurez pas les doigts au complet dedans. Fait que juste ça, là, moi, je trouve que c'est un point vraiment positif parce qu'on s'entend-tu qu'il y a 10 minutes, les doigts qui tremblent dans du produit, là, qu'il y a des petites têtes de mort dessus, puis tout, là, des avertissements, puis attention, danger. Ça doit pas être trop bon pour la santé, hein? Bon. Je suis désolée, j'avais une mise à jour à faire sur mon ordi. Ignoré! Ensuite, c'est ça, vous avez les petits pads là, pour enlever le vernis. Et puis, vous avez des petits pads aussi nettoyants. Ça, dans le fond, là, ça va, c'est comme la couche de base, si on veut. Vous allez nettoyer votre ongle avant de mettre le vernis. Ça va vraiment adhérer encore mieux. Et puis, un petit pad, là, dedans, si je ne me trompe pas, vous avez une mini-boîte avec 10 petits pads. Et avec juste un petit pad, là, vous êtes supposé préparer minimum une main, voire même les deux mains. Que tu sais, vous allez en avoir assez là, du pad là, pour bien le mouiller, comme toute la surface de vos ongles. Fait que c'est vraiment très bien. C'est en partant, là, dans le kit, là, vous en avez pour une couple de fois. Ensuite, vous pouvez racheter des petits pads. Là, moi, j'en ai racheté des produits par après. Fait que je vais vous les montrer, les formats. Vous pouvez vous en acheter des boîtes de petits pads ou vous pouvez vous acheter la bouteille de Flake Off, la bouteille vraiment pour les enlever. Donc, vous l'avez ici. Là. C'est une bouteille de produit. Fait que ça, vous appliquez ça juste sur votre couleur. Vous attendez, là, ils disent là, d'attendre là, 3 à 5 minutes, tout dépendamment combien vous avez de couches. Si vous faites deux couches, il faut que vous attendiez un petit peu plus longtemps. Votre vernis va devenir tout mou. Puis après ça, vous faites juste le gratter et puis l'enlever. That's it. Fait que c'est vraiment très, très, très simple. Ensuite, il y a toutes sortes d'accessoires. Là. Des limes pour rendre les doigts, là, les ongles là, plus beaux, pour rendre vos doigts. Là, il y a toutes sortes d'huiles aussi. Là. Pour les pieds aussi, il y a des coupons, il y a des coupes cuticules. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Il y a des beaux sets de pinceaux. Écoutez, là, pour si vous voulez là, faire là, de quoi là, plus artistique sur vos doigts, là, vous avez des possibilités en masse. Vous avez des gels aussi qui durcissent là, si vous voulez faire toutes sortes de choses. Puis, il y a ça que moi, j'aime vraiment beaucoup. Ce sont des poudres. Fait que là, vous faites vos ongles, vous faites votre couche, puis vous dites, « Hey, moi, je vais avoir une couche de chrome par-dessus ça. »
tout ce que ça prend là, avec la poudre, là, ça prend un vernis, le transparent, le clearly frisky ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une couche transparente. Fait que vous appliquez une couche transparente, ensuite vous mettez de la poudre sur votre vernis, là. Puis un coup que tu sais, vous trempez comme votre doigt dans la poudre si on veut. Là. C'est quand vous allez faire vos ongles chez l'esthéticienne ou je sais pas, il y en a c'est dans des salons de coiffure, il y en a que bon. Lorsque vous allez voir votre technicienne en ongles, puis que votre technicienne a fait vos ongles, quand c'est résine poudre, vous trempez votre doigt là, dans de la petite poudre. Là. Donc, c'est le même principe. T'sais, vous allez mettre votre couche, vous allez tremper votre couche de transparence, vous allez tremper votre doigt. Et puis ensuite, un coup que votre doigt est trempé, que la poudre est bien comme étendue, qu'il y a une fine couche, là vous faites cuire. Fait que la couche va rester, là, ça va rester top coche si on veut. Puis, vous pouvez remettre par-dessus une autre couche de transparent. Fait que la poudre va adhérer à la première couche qui est comme trempe, si on veut. Ensuite, vous la faites cuire. Ensuite, vous remettez une couche de transparent par-dessus. Ça va faire votre couche de protection. Puis, à ce moment-là, ben là, si vous voulez aller mettre des couches de finition ou de quoi, t'sais, vous pouvez aussi. Mais ces poudres-là s'utilisent avec des vernis. Mais t'sais, si vous voulez améliorer la couleur, exemple, du vernis, mais vous pouvez l'utiliser aussi avec seulement le transparent. Puis, t'sais, avoir juste la couleur de la poudre. Fait que t'sais, sérieux, il y a du produit, là. Il y a toutes sortes de brillants, de perles que vous pouvez acheter, que vous pouvez rajouter sur vos doigts. Écoutez, même les sortes de poudres et tout, là, il y en a plein, plein, plein. Ensuite, là, on tombe dans d'autres produits très intéressants aussi. Il y a des produits pour les cheveux. Alors, si vous voulez faire comme un petit traitement, là, style spa à vos cheveux. Aussi, il y a des exfoliants pour le corps. Donc, des trucs, le body spa. Ça aussi, là, c'est très, très, très populaire. Il y a un parfum aussi, une autre parfum. Gel Moment. Et puis, il y a toutes sortes, là, regardez, là, ici, là, Face Spa. Donc là, il y a des exfoliants, il y a des crèmes pour le visage. Il y a vraiment, là, toutes sortes de produits. Sérieux, allez jeter un œil sur le site, là, vous allez trouver quelque chose, là. C'est officiel. Même chose, il y a des super de beaux rouges à lèvres. C'est comme des encres à lèvres. Ça, là, ça tient vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Tu t'en mets le matin, tu l'as encore le soir, puis ça reste top coche. C'est vraiment, là. Puis là, je gardais mon petit chouchou pour la fin. Puis là, là, ce que je vous dis, là, c'est pas des blagues, OK? Les produits, là, partout, là, on voit beaucoup, beaucoup d'écriteaux. Là, j'en cherche, là, parce que je le dis. Tous les produits, OK? Alors, tous les produits sont non testés, aucune cruauté qui a été faite aux animaux, rien. Sont éco-responsables, ils sont véganes, et puis ce sont des produits qualité salon. Donc, c'est des produits professionnels, véganes, non testés sur les animaux, rien, puis éco-responsables, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Puis, vous les avez là, sur à peu près tous les produits, là, vous avez les symboles ici, là, dans le bas, là. Puis, surtout le fait que c'est vegan, je trouve ça, ça accroche. J'ai des teintures, moi, pour les cheveux vegan. Puis là, je suis vraiment très, très, très contente de tout ce qui se trouve sur le site de Gel Moment et vegan. Et puis, il y a une section, tenez-vous bien, une section thé. Donc, il y a toutes sortes de thé. Et puis, de verre pour mettre votre thé. Regardez-moi ceux-là avec du rose. Oh my God! Surtout celle-là ici, là, une tasse là, de 16 onces, là, 473 ml. Elle est comme transparente avec le couvert rose. Là. Elle, là, quand je l'ai vue, là, j'ai flashé dessus. Là. Écoutez, c'est ça. Je vous jure, là, il y a tellement, tellement, tellement de stock. Là. Puis... Donc, allez jeter un œil. C'est ça, s'il y a des produits qui vous intéressent, si vous avez flashé sur quelque chose, allez jeter un œil sur le site. Puis, si vous flashez sur la trousse que je vais vous montrer là, je vais déballer avec vous, là, ben, même chose, jusqu'au 31 janvier, 55 $ plus taxes. Fait que ça aussi, ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez, vous pouvez juste vous acheter la trousse. Vous vous inscrivez comme représentante, dans le fond. Je vais être comme votre coach, si on veut. Mais vous pouvez acheter juste la trousse, puis that's it, là. Après ça, vous ne vous reconnectez plus sur le site. Puis, regarde, moi, je veux juste la trousse, c'est tout. Vous ne tomberez pas une représentante active, là. Je veux dire, ça va se canceller au bout d'un an, puis c'est tout. Vous n'aurez pas d'obligation, vous ne ferez pas gosser par des merles et toutes sortes d'affaires. Là. Vous pouvez juste acheter ça si vous voulez, et that's it. Puis messieurs, s'il y a des hommes qui regardent ma vidéo présentement, mais ça fait un beau cadeau à donner à votre douce. Hein? Un beau petit kit de même, là, je vous jure, elle va être contente sur un temps. Donc là,
plus. En premier, on a des petits thés, donc je trouve ça super. Dans le petit kit ici de départ, donc j'en ai 5 si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Donc, j'ai des petits thés, des fragrances différentes. Donc, j'ai des échantillons, je vais pouvoir goûter. Après ça, ben là, si je trippe à fond, je vais pouvoir m'en racheter. Mais en tout cas, je suis pas mal sûre que je vais me racheter des beaux petits thés. Ensuite, qu'est-ce qui est fourni avec le kit? Vous avez, là, je l'avais enlevé, là, il y avait le catalogue. Parce que les catalogues, c'est ça, sont en vente individuelle ou en paquet de 10. Là, si vous voulez en avoir juste 2-3, parce qu'on s'entend qu'il est bon pour un an. Fait que ça, là, juste ça, là, c'est merveilleux. Vous en achetez 3-4 des catalogues, là, si vous voulez devenir représentante, exemple. Et puis, tu sais, vous avez les mêmes pendant un an. Là. Oh my God, hey, ça, là, ça fait du bien. Ensuite, ici, j'ai des produits pour les cheveux, pour tester, dans le fond. J'ai un échantillon shampoing et revitalisant avec de l'huile là, de l'huile marocaine, là, qui c'est super bon pour les cheveux. Là. Donc, c'est ça, Air Spa. Donc, j'ai un échantillon de shampoing et de revitalisant pour tester les produits. Ça aussi, j'ai très, très hâte de tester ça. Aussi, avec ça. Bon, alors, ce que je disais, là, ici... on a des 6 mini vernis. Fait que les petits vernis, là, je vous les montre. Là. C'est des petites bouteilles comme ça. Donc, vous avez 6 mini petites bouteilles. Je vais vous montrer. Excusez-moi, là. Je parle beaucoup, hein. Les 6 teintes qu'il y a à l'arrière. Fait qu'en partant, moi, c'est 6 teintes que je trouve belles. Fait que ça, j'étais contente. Souvent, il y a tout un teint ou deux qu'on est comme, ah, bof, je la mettrais peut-être pas, celle-là. Moi, les 6, je vais les mettre, là. Les 6 sont belles. Fait qu'en partant, j'étais comme, OK, wow, merveilleux. Une raison de plus qui a pesé dans la balance. Aussi, vous avez, quand je vous parlais tantôt, le fortifiant, là, et puis l'huile à cuticule, vous avez des mini-formats. Donc, j'ai une mini huile à cuticule. Puis ça, on s'entend, là, t'en mets pas beaucoup. Là, t'en as à peine sur ton pinceau, là, puis t'en as pour tes 10 doigts. Là, ça n'en prend vraiment pas gros. C'est de l'huile, là. Fait que ça, vous êtes bon pour un bout. Même chose, le fortifiant. Exemple que vous prenez un break de 3 jours, là, de mettre du vernis, mais vous pouvez vous mettre du fortifiant. C'est plein de vitamines et tout. C'est super bon pour vos ongles. Et puis, c'est ça, c'est protecteur en même temps. Donc, vous avez un échantillon aussi du fortifiant. Fait que ça, c'est super, là, à date. Là, écoutez, là, il y a un paquet de produits qui m'intéressaient, puis que je retrouve dans la trousse de départ. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun aussi. C'est parce que vous pouvez tester les produits. Tu sais, c'est bien beau. T'as un kit de départ là, pour faire des ongles. Là, t'as du vernis, t'as la machine, t'as quelques affaires. OK, c'est correct. Mais là, je vais pouvoir tester les autres choses. Tu sais, les shampoings, mais il aurait fallu que j'achète la bouteille si j'aurais voulu. Là, j'ai un échantillon. Même affaire l'été, mais je suis pas obligée d'aller acheter un gros sachet ou de quoi. J'ai des échantillons. Puis s'il y en a un que je flash, que je suis comme, OK, celui-là, il goûte le ciel, j'en veux. Mais tu sais, sérieux, ça vaut juste trop la peine. Moi, je suis comme emballée fois 1000. Ensuite, ici, vous avez une petite boîte. Ça, c'est pour enlever votre Kitex, là, 50 pads. Donc, à utiliser là, avec qu'est-ce que je vous disais, là, les petites clips là, que je vous ai montré tantôt. Donc, on les a ici là, à l'arrière, les petites clips. Si vous en avez d'autres, là, moi, j'en ai d'autres ici à la maison là, pour les ongles d'orteil et puis les ongles de main. Tu sais, je veux dire, vous pouvez utiliser vos autres clips à la maison. Là. Tu sais, les petits pads vont faire dedans. Là. Ensuite, vous avez aussi 10 petits pads là, des cleaners. Qu'est-ce que je vous disais, là, comme pour préparer vos ongles avant de faire votre vernis. Là, un pad, là, vous êtes supposé de faire vos 10 doigts. Là. Dans le pire des cas, ça va vous prendre 2 pads. Fait que dans le pire des cas, la petite boîte, mais vous avez 5 shots de vernis. Puis votre vernis, là, c'est garanti là, 2 semaines comme il faut. Là, mais on s'entend que si vous mettez 2 couches puis que vous achetez une bouteille de clear, que vous mettez une couche de clear par-dessus, votre vernis, vous allez l'avoir un mois. Là, puis ça, je suis pas mal certaine. Ensuite. Ici, dans ce paquet-là, on a là, le bâton pour les cuticules. Et puis, il y a des petites limes à ongles. Donc là, je ne sais pas là, si vous êtes capable de tout voir. Là, je vais essayer de l'ouvrir. Là. Hein? Bon, je vous montre tout qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc là, j'ai ça ici. Ça, c'est l'outil pour les cuticules. Donc, c'est des couleurs là, aléatoires. Là, vous voyez, là, moi, j'ai eu orange. Il y a des oranges, il y a des roses. Si vous flashez sur un, vous pouvez aller acheter la couleur. Mais moi, je trouvais que ça valait pas la peine là, parce que, bon, on en a un fourni avec le kit. Fait que moi, la couleur m'importait peu. C'était d'avoir le fameux outil. Donc, on en a un. Ensuite,
Vous avez des petites limes là, roses et puis blanches. C'est la même chose des deux côtés. Le grain, là, 180-220, c'est ça, c'est la même chose les deux. C'est tout simplement la couleur des petites limes. Donc, vous limez et puis vous avez là, l'autre côté ici là, qui est un petit peu plus doux, là, qui équivaut là, un petit peu là, au bloc là, lorsque vous faites faire les ongles. Là, c'est plus comme à la fin, là, grosso modo, là, vous utilisez l'autre côté de la lime. Donc, vous avez deux limes, juste ça, là, les limes, là, vous utilisez ça pendant quand même un bon bout parce que vous ne limez pas votre ongle comme une malade. Là, vous allez, ça va tomber chaud, ça ne sera pas trop long. Fait que, tu sais, juste d'avoir ces deux petits outils-là, là, sérieux, le kit, là, vous êtes bon pour un bon petit bout à faire les ongles avec ça. Ensuite, j'ai pas fini, là. J'ai d'autres produits. On a des petits... Bon, ils me disent ici Sugar Body Scrub. Fait que c'est des exfoliants pour le... Un exfoliant pour le corps. Et puis, l'autre petit pot ici, bon, parce qu'il est comme tourné dedans. Même chose aussi, un exfoliant pour le corps. Salt Body Scrub. Lemongrass salt. Fait que, oh, j'en ai un, ok, voyons, j'en ai un au citron et puis j'en ai un mangue passion. Donc, puis c'est quand même des bons petits formats, là. Il y en a quand même pas pire dedans, là. Parce que, voyez-vous, 50 grammes. Fait que ça a de l'allure, là, c'est l'équivalent de 50 millilitres. Fait que c'est deux beaux formats. Ça aussi, j'ai très, très hâte d'aller tester ça, là. Ce soir, là, lorsque je vais aller sous la douche, c'est officiel, j'essaye ça. Ensuite, vous avez la fameuse petite lampe, ici, qui cuit en 60 secondes. Donc là, je vais l'ouvrir pour vous montrer la grosseur, vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. En même temps, je le découvre. Donc, ça charge USB, bien important, hein? Chargez jamais ça à partir de votre ordinateur. Tout ce qui se charge USB, parce que dans le fond, que ce soit cigarette électronique, que ce soit lecteur MP3, n'importe quoi, votre cellulaire, whatever, chargez jamais rien que la source de jus, là, que l'énergie provient de l'ordi. Branchez jamais ça dans votre ordinateur parce que c'est arrivé à quelqu'un près de moi et puis on s'est fait expliquer le pourquoi du comment. Là. Puis dans le fond, lorsque tu charges quelque chose à partir de ton ordinateur n'est pas fait pour être un chargeur. Fait que ça fait comme tellement tirer du jus et tout que ça peut faire griller des choses à l'intérieur. Fait que petite astuce comme ça aussi, hein, soit dit en passant, achetez-vous juste un petit bloc. Souvent, c'est juste des fils comme ça. Il n'y a pas le bloc pour brancher dans le mur. Mais achetez-vous le petit bloc, le petit adapteur, là, puis branchez pas sur vos ordinateurs. Fait qu'il y a la petite lampe, là. Regardez le format. OK? C'est quand même assez gros, là. C'est quand même pas pire. Pas en tout, là. Hey, hein? Et puis, j'ai ça ici à côté. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben, gardons! Le fameux bloc. Donc, c'est ça que je disais, hein? Ne pas brancher ça sur les ordi et tout. Servez-vous du bloc. Là, voyez-vous, vous l'avez. Fait que c'est merveilleux. Fait que là, je vais remettre ça dans sa boîte, là, vite fait comme ça. Pour pouvoir, là, vous montrer, là, ce qu'il y a d'autre aussi à l'intérieur. Fait que vous avez la petite machine qui vient avec. Bon, on met ça là comme ça. Ensuite. Là, il reste un peu de paperasse, là. Ah, parce que, veux pas, avec cette étiquette-là, ça vous prend un petit peu là, de documentation. Il faut que vous sachiez où ce que vous vous enlignez, là, qu'est-ce que c'est. Fait que là, ici, on a un guide du distributeur. Ça, je vais survoler vite fait, là. Ça va vous donner un petit peu, là, c'est quoi, là, les échelons et tout, là. Donc, tu sais, si vous voulez vous lancer dans l'aventure, vous voulez tomber représentante, là, c'est ça, c'est de la paperasse un peu, là, pour vous aider. Même chose, là, eux autres, ils appellent ça, là, des parties. C'est ça, si vous voulez en organiser, là, des parties d'hôtesse, là, un peu sur le même style que Tupperware, là, si vous avez déjà entendu ça, là. Ensuite, ici, là, c'est ça, pour grossir là, votre entreprise. Donc, c'est ça, là, des petits dépliants. OK. Donc, ça ici, même chose. Là, ça, c'est les grades, les échelons là, que vous pouvez monter dans la compagnie. Ensuite, bon, programme de leader, c'est ça. Il y a beaucoup de paperasse, là, des petites cartes. Là. Ça ici, là, encore une fois, on retrouve là, tous les symboles que je vous disais. Là, c'est non toxique, c'est vegan, c'est de la qualité salon. Ensuite, ils disent longue tenue, non testée sur des animaux. Donc, encore une fois, là, c'est une petite publicité. Puis vous avez encore là, les petits logos que je vous disais. Ensuite de ça, OK, bon, vous en avez plusieurs. Donc,
Ça, d'après moi, là, c'est comme des petits flyers que vous pouvez donner, là, parce que c'est ça, Gel Moment, ça explique un petit peu là, en arrière là, qu'est-ce que c'est, comment, dans le fond, comment appliquer et puis comment enlever selon les deux méthodes. Avec le remover, avec le flacon et puis avec les petits pads. Donc, c'est vraiment ça, c'est des petits cartons instructions. Fait que c'est super. Qui vous en donne plusieurs aussi. Bon, là, j'ai des petits livres ici. OK. Des guides party. Donc, je vous l'avais montré tantôt, là. Si vous organisez là, des petits parties, là, parce que ça peut être virtuel aussi, nous, à cette heure, on s'entend là, que bon, selon les circonstances. Hein, donc, ça vous explique un petit peu là, l'hôtesse là, qui veut organiser là, un party pour exemple, là, vous faites ça, là, je ne sais pas, moi, avec les plateformes, là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, là, Zoom et toutes sortes de choses, Teams et tout ça. Là, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment là, les petits cahiers d'hôtesse. Et puis, avec ça, vous avez votre première médaille, si on veut, votre premier grade. Donc, le premier grade étant Gel Go. Ensuite, c'est Fashionista. Donc, moi, je me croise les dents. Je me croise les doigts. J'aimerais vraiment tomber Fashionista. Et, mais bon, pour ça, là, c'est ça. Ça me prend quelques petites qualifications. Donc, si tout va bien et tout, là, puis que je me croise les doigts, j'ai des petites commandes dans ma boutique et tout, là, d'un coup, il y en a plusieurs qui sont comme « Ah bon, moi j'en veux et tout. » Malheureusement, là, les trousses que je vais vendre, ça ne compte pas dans ça là, pour aller atteindre mon grade. Là, c'est vraiment si vous achetez là, des produits, des thés, des choses comme ça. Là. Donc, je me croise les doigts. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup tomber, là, avoir mon grade Fashionista. Donc, je lance ça dans les airs en espérant que... Mais j'ai mon premier grade. Et puis, bon, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que vous pouvez avoir un onglier. Vous pouvez l'acheter quand vous vous inscrivez pour la trousse, là, puis que vous êtes représentant. Vous pouvez avoir là, toutes les nuances là, de couleurs, là, vraiment, là, tu sais, les petits bâtons en plastique. Là. Ça, c'est super le fun parce que vous le voyez en live. Là, tu sais, c'est pas pareil une couleur à l'ordinateur de quand vous l'avez. Mais vous avez ça ici qui est fourni dans votre kit. Regardez ça, comment c'est le fun. Encore une fois, hein, je vous disais, mes petits symboles de tantôt. On les a vraiment partout. Fait que vraiment, tous les produits sont vegan, éco-responsables et tout. Donc là, c'est des nuances. Fait que vous les avez ici, les nuances qu'il y a. Hey, c'est-tu le fun? Regroupées par couleur ensemble. Donc, des roses. Ensuite, on s'en vient, bon, bleu, vert. Ça ici... je veux dire, c'est fou, c'est vraiment là, c'est parfait qu'ils vous donnent ça en partant. Fait que vous avez des nuances si jamais vous voulez vous procurer d'autres produits. Fait que vous avez toute la paperasse qu'il vous faut, c'est quand même pas tant que ça là. Vous avez un beau petit nuancier, votre beau petit sac en plus de ça. Vous pouvez tester les body spa, vous pouvez tester les produits pour les cheveux, vous pouvez tester les thés. Vous avez de l'huile à cuticule, le fortifiant. Vous avez catalogue, machine. Vous avez des vernis. Vous avez des pads pour enlever vos ongles. Vous avez vos limes pour faire vos ongles. Et puis, vous avez des petits pads pour préparer vos ongles. Fait que sérieux, là, vous êtes vraiment en business là, pour vous partir. Fait que tout ça est inclus dans le kit là, que je vous dis là, pour d'une valeur de 294$ pour seulement 55$ plus les taxes. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion. Je suis vraiment très, très, très contente. Et puis là, je veux vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Là, je vous ai parlé de quelques produits. Donc, si jamais vous vous demandez « Ah, quel tel produit? » Peut-être que là, avec qu'est-ce que je veux vous montrer, ça va vous donner une petite idée. Et là, dans le ticket de départ, on a ici les 6 mini vernis. Fait que là, moi, je veux vous montrer la différence entre... le format mini que vous recevez, OK? Et puis, exemple, le grand format, le format quand vous commandez un vernis, qu'est-ce que ça a l'air? Donc, c'est ça ici, la différence entre les deux. Donc, le mini vernis, est-ce que j'ai la quantité dessus? 6 fois 3 millilitres. Donc, il y a 3 millilitres. Et puis, les grands vernis, c'est 8 millilitres. Mais on s'entend qu'avec ça, là, c'est pas beaucoup comme quantité. Vous êtes comme, ah, mais non, non, du vernis gel, là, vous en avez pour longtemps. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 30 couches sur votre ongle. Puis ça dure longtemps aussi.
Fait que ça, là, c'est vraiment, là, ça, c'est une bouteille, là, que moi, j'ai achetée, là, un beau jaune en plus. Fait que ça, c'est une couleur à part. C'est à ça que ça ressemble, une bouteille de vernis, lorsque vous vous en procurez une. Ensuite, je veux vous montrer aussi, lorsque je vous parlais, les bouteilles, là, pour les couches de finition. Donc, vous avez ici la couche mat, ce qui fait du mat. Donc, voici le format, voici la bouteille. Donc, c'est vraiment, là, la couche de finition pour matifier votre couleur. Parce que les couleurs sont toutes brillantes lorsque vous les avez. Ensuite, selon les couches de finition, là, on l'avait dans le livre ici. Alors, vous avez les trois couches ici. Alors, on a Stardust, Hypnotize et puis Captivate. Donc là, là, vous les avez les trois là ici, les trois premières. Donc, la première de tout, Stardust. Ça se présente comme ça ici. Donc, c'est une petite bouteille. C'est le même format, la même chose. Ensuite, Hypnotize. Je l'ai ici. Voici. Même chose, même format. Puis, la dernière ici, Captivate. Même chose là. Fait que c'est vraiment les mêmes formats que des vernis. Ensuite, aussi, je veux vous montrer, lorsque j'ai feuilleté avec vous, le petit livret ici, là, je recherche la page en même temps que je vous parle. Ici, je vous ai montré le flake-off pour enlever. Donc, même chose, celui-là aussi, je l'ai. Donc, c'est un petit flacon comme ça ici. Et puis, vous pouvez revoir ici, en arrière, les mêmes petits symboles que je vous disais. C'est vegan, c'est éco-responsable, c'est de longue durée, des produits de salon. Donc, tous les produits sont très bien identifiés. Ça, je trouve ça génial. Donc, voici le flake-off, ce que je mettrai là sur mon vernis pour l'enlever. Puis, le flake-off, là, je serais curieuse aussi de l'essayer avec mes ongles que j'ai là. Je suis sûre là, que j'en viendrai à bout. Ensuite de ça, là, je me suis commandé là, quelques couleurs. Là. Bon, c'est ça, j'en ai deux ici que je vais vous montrer. Donc, j'ai Dark Light et puis Scandalous. Donc, un beau noir, là, vraiment, là, c'est comme sombre, puis il y a du brillant dedans. Et puis, un beau rouge flash. Donc là, là, ça, c'est d'autres couleurs que je me suis commandées. Ensuite, ce que je veux vous montrer. Vous avez ça ici, là, les pads pour enlever. Là, ça, c'est dans le kit, là, la trousse de départ. Lorsque vous voulez vous en racheter. Voici les formats. Donc, les petits pads pour dissolvant, si on veut, là. Les petits pads pour enlever. Ici, c'est ça. Voyez-vous, là, il y a deux sortes de pads, là. Il y a les removers, ça, c'est les normales. Et puis, il y a les autres qui sont soins doux. Donc, moi, j'ai acheté là, la boîte de soins doux. Donc, j'ai 100 petits sachets. Vous avez de fournis avec votre kit. Une boîte de 50, là. Mais après ça, quand vous en rachetez, là, vous avez les boîtes de 100. Donc, c'est pas très, très dispendieux non plus. Même chose, je vous avais montré ici, vous aviez la petite boîte là, d'échantillons avec votre trousse de 10 pour préparer vos ongles. Lorsque vous en rachetez, là, ça se vend là, quelques dollars, c'est pas très cher non plus. Vous avez ici une boîte de 50, ça c'est le format que vous pouvez racheter là, après. Donc avec 50, vous êtes bon pendant un bout. Fait que tu sais, là, c'est des petits achats que vous faites par après, sauf que vous allez vous équiper, vous allez en avoir pendant un bon moment. Le hic, c'est vraiment les couleurs, parce que là, il y a tellement de couleurs que vous allez être comme « Oh my God, j'en veux plein! » Je vous jure. Même moi, j'étais comme devant, puis j'étais là « What? » Je tripais bien raide. Et puis, je veux vous montrer la petite poudre. Qu'est-ce que ça a de l'air, la petite poudre? Alors, c'est ça ici. Moi, j'en ai commandé une pour l'essayer. Donc, ça vient avec un petit bâton, là. C'est comme un peu les petits bâtons à maquillage. Fait que ça, là, un coup là, que vous trempez là, votre doigt dans la poudre, mais après, avec le petit bâton, là, vous pouvez aller appuyer comme dessus, juste pour taper, pour être sûr que tout est brillant, là, que tout est uniforme, avant de remettre votre couche transparente par-dessus là, à nouveau. Là, ben, dans le fond, vous allez tapoter, vous allez faire cuire. Après, vous allez mettre votre couche de transparent par-dessus pour faire comme une couche là, de clear. Là. Et puis, si vous voulez, vous pouvez en mettre deux couches transparentes par-dessus. Plus vous allez en mettre, plus votre vernis va durer longtemps. Et puis, un petit truc aussi, soit dit en passant, essayez de ne pas dépasser. OK? Avec votre truc à cuticules, là, quand vous allez les pousser, les cuticules, là,
T'sais, poussez-les vraiment là, loin, OK? Le plus loin possible. Puis votre vernis, n'allez pas le coller, là, t'sais, regardez, là, hey, moi, je suis allé pousser ça loin. Là. Fait que là, on dirait là, que mon ongle a une méga repousse. Là. Mais c'est ça, allez le pousser le plus loin possible. Puis essayez là, avec votre pinceau, lorsque vous mettez, d'aller le plus proche possible et de faire la forme d'un ongle. De ne pas dépasser. Pourquoi? C'est pas dramatique si vous dépassez. C'est juste que votre vernis, vous ne le conserverez pas vitam aeternam parce qu'il va peler rapidement. Ça va lever, il va se former de l'air et puis vous allez l'accrocher. Vous allez vous passer à la main des cheveux, un cheveu va rentrer en dessous. Je veux dire, il ne t'offre pas. Fait que c'est vraiment, là, ça, c'est un truc. Quand votre ongle est prêt, là, vous allez le plus sur le bord possible. Essayez de faire vraiment la forme d'un ongle avec votre petit pinceau de votre vernis. C'est vraiment là que c'est comme c'est final là, la forme. Là. Dites-vous pas, OK, si je dépasse, là, moi j'étais un petit peu comme ça quand je me mettais du vernis, ça dépassait un peu. Je me disais, c'est pas grave, je vais prendre du remover, je vais l'enlever. Mais avec du vernis gel, par exemple. C'est pas tout à fait comme ça. Mais je vous jure, là, n'importe qui est capable de se faire ça à la maison. Là. Puis moi, surtout, le gros, surtout, là, ce que je voulais, ce qui me fait triper, là, c'est que je vais pouvoir faire mes ongles d'orteil à la maison. Ça, là, moi, aller me faire faire du vernis, ses ongles d'orteil en quelque part, je trippe pas. Moi, me faire jouer après pied, j'aime pas ça. Fait que ça, là, je vais pouvoir le faire moi-même. Puis sur les orteils, ça dure vraiment longtemps. Juste des vernis standards, là, moi, ça me dure vitam aeternam. Fait qu'imaginez des vernis gel. Je vais avoir le temps de me tanner de la couleur, de vouloir changer de couleur avant que mon vernis soit dû. Fait que... Donc, c'est ça. Ici, voici le petit format. Là, je voulais vous montrer qu'est-ce que ça ressemblait. Ça vient comme ça, dans une petite pochette. Là, moi, j'en ai commandé deux. Un qui fait un peu là, holographique, si on veut. Là. Il fait vraiment, là, vous voyez, en tout cas, la couleur, vous allez voir. Là, c'est vraiment beau. Et puis, j'ai celui-là ici qui fait comme argenté par-dessus. Donc, c'est vraiment là, qui fait comme chrome, si on veut. Donc, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous présenter. Je voulais vraiment vous montrer ma super trousse, ma nouvelle découverte, ma nouvelle passion, si on veut. La nouvelle aventure dans laquelle je me lance. Et puis, c'est ça. Allez jeter un petit coup d'œil sur le site, sérieux. Ça vaut la peine, je vous dis. Que ce soit juste pour aller voir les produits pour les cheveux, les produits pour le corps, pour le visage. Il y a des bandes exfoliantes. Il y a toutes sortes de choses, sérieux. Il y a des beaux petits kits en plus. Là. C'est des très, 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 très bons produits. C'est des produits vegan. C'est des produits qui sont faits aux États-Unis aussi. C'est pas des produits qui sont faits en Corée, en Chine, tu sais. C'est des produits quand même de bonne qualité. Puis il dit, c'est des qualités salon. Fait que c'est des qualités professionnelles. C'est vraiment, là, j'ai extrêmement confiance en ces produits-là. J'ai eu que des bons commentaires. Et puis, en me lançant dans l'aventure, bien, je me suis même rendu compte que j'avais des gens que je connaissais qui utilisaient les produits, puis je ne le savais même pas. Je voyais leur ongle, puis je pensais qu'ils allaient chez des techniciennes, et non. C'était eux qui faisaient leur ongle eux-mêmes. Fait que peut-être que la première pause, la deuxième pause ne sera pas top coche. Que, ça ne sera pas comme « Wow, c'est parfait et tout. » Écoutez, hein, la perfection n'existe pas. Fait, mais je vous jure, vous allez le faire une fois, deux fois, puis vous allez pogner la twist. Là. C'est normal dans n'importe quoi. Au début, il faut s'habituer. Il y a une adaptation à faire. Mais ça, là, ça ne sera pas long. Vous êtes déjà mis du vernis, il n'y a rien de compliqué. Puis au pire des pires, là, si vous voulez un truc, là, bien, commencez la première fois que vous allez vous en mettre, là, au lieu de faire vos doigts, faites vos orteils. Poussez vos cuticules le plus loin possible. Appliquez votre vernis, pratiquez-vous avec vos pieds. C'est niaiseux, mais tu sais, en même temps, c'est pas vous avez votre main là. Vous allez faire vos deux pieds de votre main dominante, si vous êtes droitier ou gaucher. Fait qu'en partant, ça va vous aider. Ça va vous aider à vous enligner. Des ongles d'orteil, c'est petit. Fait qu'en même temps, après ça, quand vous allez tomber à vos mains, ça va être tellement plus facile. Là. Fait que, sérieux, essayez ça, ce petit truc-là. Sur ce, écoutez, ben moi, je vais vous dire à demain. Puis là, je m'empresse là, d'aller montrer, là, j'ai reçu mon kit, là, d'aller montrer ça à mon copain. Là. Écoutez, j'avais tellement hâte de recevoir ça. Donc, le kit que je vous ai présenté, là, disponible jusqu'au 31 janvier. Donc, dépêchez-vous, hein. Plus que ça va, plus que les jours avancent. Sur ce, bien, on se dit à demain. Moi, je suis avec vous encore une fois demain. Donc, bye bye tout le monde, à demain!